Je ne les ai plus en visuel. Marchenko menace de faire sauter des centaines d'innocents juste à côté. Juste des centaines? Si Brown et ses invités meurent, des milliards d'augmentés seront privés de leurs droits et traités comme des sous-humains. Vous ne pouvez pas laisser faire ça, n'est-ce pas? Thank you.
enfant protégé, vraiment rien du tout. On est prêt ? En attente du rapport de vecteur. Je viens prêt. Unité négative, confirmée. La zone est calme. On est prêt. Pas de fugitif. Thank you.
me prête. On va truffer ces connards. C'est parti pour l'action. Protéger vraiment rien du tout. En attente du rapport de Vecteur. On voit quelqu'un, outil. Thank you.
signal faible confirmé. Merci, confirmé. Programme de suivi lancé. Accès permis.
Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Célébrons aujourd'hui l'importance de cet événement sur le plan national, sur le plan mondial et sur le plan humanitaire. Ne buvez pas. Le champagne est empoisonné. Mais je l'ai fait remplacer. C'est une cuvée de prestige. Vous et vos invités devez quitter l'Apex Center au plus vite. Slater est mort. Tarvos est compromis. C'est vous qu'ils veulent. Conduisez tout le monde à l'hélisurface. Oui, oui, tout de suite. Mes gardes du corps vont nous escorter. Mais... et les autres habités? La TF-29 va les évacuer. Je vais m'occuper des coupables. Alors je vous souhaite bien du courage. Macready, je suis avec Brown. Je lui ai dit pour le poison. Ces gardes du corps vont conduire tout le monde en lieu sûr. Bonne nouvelle. Cet enfoiré de Marchenko ne plaisantait pas. Mon équipe confirme que les tours résidentielles sont bel et bien pourries d'explosifs s'il actionne le détonateur. Je me dirige vers le parc des expositions, je vais l'arrêter. Dites à votre équipe de désamorcer ces bombes. Avec un peu de chance, on peut y arriver. De la chance? Il nous en faudra pas qu'un peu, mec. On se retrouve de l'autre côté. Jusqu'à moi. Je préférerais ne pas avoir à causer plus de morts qu'il n'en faut aujourd'hui. Mais en tant que bon soldat, je vais suivre les ordres. À moins que tu m'en empêches. L'heure tourne, mon frère. Thank you.
Waouh. Wow. Intéressant. Regardez. C'est pas tout. Au moins la musique est bonne. Hey. Pourquoi t'es pas venu? Tu crois vraiment qu'un avenir radieux nous attend? Apparemment pas. T'as pas fait le bon choix, mon frère. Pourquoi tant de victimes dans un tel fracas, alors que le message peut être beaucoup plus subtil? Pour accomplir ma mission, seul Brown et ses invités doivent. Et toi, évidemment. Alors montre-toi! Me voilà, Victor. Et t'as fait assez de dégâts pour ce soir. La souffrance. Les massacres. Il faut savoir faire des sacrifices quand on veut la victoire. Et il me reste encore un sacrifice à faire! Tu ne vois pas la subtilité de cette entreprise.
Une fois mort, on prendra peut-être. Il va bien pardon. Thank you.
d'arrêter tout ça. Mais tu ne vois pas là. Une fois mort, tu comprendras peut-être. D'avoir entendu parler. Frère. Mon frère. Macready, c'est fini. Le PDG de Santo, Nathaniel Brown, a félicité aujourd'hui Interpol et la société Tarvos pour avoir réussi à maîtriser une situation qui aurait pu tourner au carnage lors de sa récente convention sur le projet Refuge. Interpol a confirmé qu'un groupe de terroristes radicaux, membres de la Coalition pour les droits des augmentés, avait piégé les tours résidentielles avoisinant l'Apex Center avec assez d'explosifs pour ravager deux pâtés de maison. Malgré l'hécatombe à laquelle le monde a échappé, Brown a exprimé une opinion des plus discutables. Nous ne devons pas laisser la peur dicter nos décisions. Nous ne devons pas non plus façonner notre avenir en fonction des dictats d'une minorité. La loi pour le retour à l'humain est une perversion de nos valeurs. Avec le temps, je pense que des propositions plus raisonnables émergeront au Conseil de sécurité. Des paroles qui crèvent l'abcès venant d'un homme au compte en banque qui crève le plafond. L'avenir nous dira s'il a raison. C'était Elisa Cassar. Hey, t'as entendu ça au moins ? En direct live. On a gagné ! Tu trouves ? On a fait échouer tous leurs plans. Marchenko, l'orchidée, les bombes. Je te sens un peu à cran, là. T'as pensé à te détendre un peu ? Respire. J'ai parlé avec Janus hier soir. Il m'a dit que Brown militait comme un chef. Lui et les délégués que t'as sauvés, ils savent que cette loi, c'est de la merde. Elisa peut bien faire campagne autant qu'elle veut, c'est déjà du passé. On dirait que Janus a toujours le bon tuyau. Sauf quand ça compte vraiment. Miller, hein. Je suis désolé, Adam. Je croyais vraiment que c'était un Illuminati.
Moi aussi, je l'ai cru. Quand j'ai compris qu'il était innocent, on peut pas changer le passé. Faut aller de l'avant. À quoi tu penses ? Combien d'autres plans ils ont encore élaborés ? Combien d'autres soldats comme Marchenko sont en veille ? C'était pas un soldat, c'était un malfrat. Les soldats ont un code d'honneur. Franchement, ça m'étonne que tu l'aies épargné. Marchenko a des infos. Tant qu'on le garde en vie, on peut le convaincre de parler. Alors que si on le tue, par contre... Croisons les doigts pour que ça échappe à ses patrons. Quoi qu'il en soit, ce qu'on veut, c'est les types qui tirent les ficelles, à l'origine de la loi pour le retour à l'humain, et qui continuent à se terrer. Il est temps pour moi de les faire sortir de leur trou. Déjà, on a leur nom. Manderly et Page. Tu peux être sûr que le collectif fera tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Ouais. Et moi, tu vois, il y a un troisième nom qui m'intéresse. Janus. Alors c'est ça qui te contrarie. Je vais tenter le coup, Adam. Mais je te l'ai dit, il aime pas quand c'est pas sous ses conditions. À lui de voir. Il organise un vrai face-à-face où je fais ce qu'il faut pour lui mettre la main dessus. Je crois qu'il est temps de rencontrer l'homme derrière le masque, Alex. Tu trouves pas ? À Prague, les forces de l'ordre ont traqué et capturé la terroriste dont les bombes explosives mortelles ont tué de nombreux voyageurs innocents en début de semaine. Cette femme, Alison Stanek, ancienne spécialiste en démolition de l'armée, serait une fanatique religieuse qui dirige la technosecte de l'église du dieu mécanique. Après une enquête approfondie, la police l'a arrêtée ainsi que plusieurs de ses adeptes au quartier général de la secte. Si vous voulez mon avis, mesdames et messieurs, c'est une très bonne nouvelle. Un rapport d'autopsie publié à Prague aujourd'hui offre des détails choquants sur la mort du docteur Talos Rucker, l'ancien leader de la coalition pour les droits des augmentés. D'après ce rapport, le docteur serait mort avec un taux d'alcool anormalement élevé dans le sang. Aucune autre toxine n'a été détectée par les analyses et le corps ne présentait aucun signe d'activité suspecte. Au dire de ses proches, Rucker avait sombré dans l'alcoolisme depuis qu'il était devenu une personnalité publique. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'organisation qu'il avait fondée, la Coalition pour les droits des augmentés, est liée à l'horrible attentat qui a secoué Londres la semaine dernière. Viktor Marchenko, le terroriste augmenté qui aurait joué un rôle déterminant dans la préparation et l'exécution de l'attentat dévastateur dont Londres a été victime la semaine dernière, va être transféré dans un complexe sécurisé pour interrogatoire. Membre de longue date de la Coalition pour les droits des augmentés, Marchenko s'est montré virulent quant au mobile de l'attaque, la qualifiant de représailles appropriées suite aux injustices subies par les augmentés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une question en particulier qui me taraude. Quand les Nations Unies vont-elles enfin adopter la loi pour le retour à l'humain afin d'empêcher de dangereux meurtriers comme Marchenko de nous terroriser ? Il n'y a pas si longtemps, le docteur Talos Rucker, invité de cette même émission, essayait de nous convaincre que sa coalition pour les droits des augmentés était une organisation non violente. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons tous à quoi nous en tenir. Il n'a guère fallu de temps à la CDA pour montrer son véritable visage après la mort du docteur Rucker. Depuis l'attentat de la semaine dernière, la CDA est officiellement reconnue comme une organisation terroriste par les Nations Unies. En ce moment même, de courageux agents de police tchèques lancent l'assaut sur ses installations à l'intérieur du complexe d'Utulek. Voici un exemple de la résistance à laquelle ils sont confrontés. C'est là où vous faites erreur. Non, la CDA est victime d'un coup monté. Vous comprenez rien. Viktor Marchenko n'était pas des nôtres. Il essayait de détruire la CDA, de détruire la cause. Mais il a échoué. On est fort, on est innocent. Et on ne se laissera pas exploiter par des riches qui ont peur de nous et qui nous considèrent comme des sous-hommes. Désolé, jeune homme, mais j'ai du mal à croire quelqu'un qui s'énerve. L'organisation criminelle des Devali se retrouve sur la sellette ce soir pour son rôle dans l'attentat de Londres. D'après des preuves découvertes par Interpol, des membres de haut rang du chapitre de Prague auraient fourni des armes et un appui logistique aux terroristes de la CDA. Parmi les individus recherchés se trouve Radic Nikoladze,
leader des Dévali à Prague. Cependant, des sources me signalent qu'il aurait disparu de la circulation et qu'il est peu probable qu'on le retrouve un jour. Peut-on y voir une confirmation de sa culpabilité? Prenez part à la discussion en ligne pour nous donner votre avis. Des nouvelles de Paris, où une importante recrudescence des publications clandestines pourrait avoir un lien avec une évasion récemment orchestrée à Prague. La semaine dernière, la police tchèque détenait des membres du journal clandestin Samizdat après leur arrestation pour troubles à l'ordre public, trafic d'êtres humains et terrorisme médiatique. Cependant, le groupe de radicaux a réussi à s'évader de sa cellule et se serait réfugié en Europe de l'Ouest. Peu après leur évasion, une publication radicale intitulée Silhouette a fait son apparition dans toute la France. Serait-ce la nouvelle identité de Samizdat? Je suis sûre de parler pour nous tous en disant que quel que soit le nom qu'il se donne, il n'y a rien de plus dangereux que la propagation de fausses informations. Passons maintenant à une histoire plus haute en couleur. Suite à un récent incident dans un laboratoire pharmaceutique illégal, la police a découvert la source du trafic de néon à Prague. Selon des sources familières avec cette nouvelle drogue, les dangers du néon ne découlaient pas tant de sa consommation que de ses méthodes de distribution illégales et de ses liens avec la pègre. Ne vous y trompez pas, le néon est illégal et le démantèlement de ce laboratoire est une bonne nouvelle pour tous. Cependant, des représentants du gouvernement m'ont laissé entendre que cette drogue pourrait avoir des bienfaits thérapeutiques. Et si c'est bien le cas, qu'une version approuvée par le gouvernement pourrait un jour être vendue légalement. Évidemment, des tests approfondis seront nécessaires. Nous verrons bien.
Là n'est pas la question. Nous aurions dû tous en être avertis. C'est bien pour ça que nous sommes là. Folkard, ce qui est fait est fait. Les grandes lignes de cette opération étaient clairement tracées et elles n'ont pas changé. Il y aura toujours des ajustements à faire en temps réel sur le terrain. Vous devriez le savoir. Des ajustements? C'était plus que des ajustements! Interpol a mieux géré la situation que ce que nous pensions. Ils ont un nouvel agent augmenté, un certain... Adam Jensen. Nous pensons qu'il a bénéficié d'une aide extérieure. Certainement du collectif Mastodonte, ou peut-être même de Janus. Nous menons l'enquête, mais... Tout cela n'est que pure hypothèse pour le moment. Laissons-nous du temps et reparlons-en en fin de semaine. Merci à tous. Ce sera tout. C'est votre faute. J'en suis bien conscient, docteur. Vous avez le bonjour d'Elisabeth. Dites-moi. Dans l'ensemble, le sujet semble s'être bien remis malgré les énormes traumatismes qu'il a subis. Et ses souvenirs sont toujours cohérents avec le programme. Il est remarquablement stable. Excellent. Est-ce qu'il est proche de rencontrer Janus ? Très. Alors, ce n'est qu'une question de temps.